Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Richard Gage de l'AIA. Je suis architecte depuis 20 ans et je suis membre de l'Institut américain des architectes. Ce soir, nous vous présentons la vérité technique, la preuve d'une démolition contrôlée lors de l'effondrement des trois tours du World Trade Center le 11 septembre, les tours jumelles emblématiques et le mystérieux bâtiment 7. Voici une démolition contrôlée. Concentrons-nous d'abord sur ce type de destruction. Nous avons des centaines d'exemples à travers le pays à mettre en comparaison, car c'est la méthode la plus employée pour démolir des tours. Voilà à quoi ressemble une tour lorsqu'elle est démolie par des explosifs. Voyons les particularités d'une démolition contrôlée. D'abord, nous avons un déclenchement soudain de destruction à la base de la structure. Nous avons un effondrement symétrique dans ses propres fondations. Car les vagues de démolition suppriment les colonnes de soutien, créant une accélération en quasi-chute libre par le chemin jusqu'alors de la plus grande résistance. Des milliers de tonnes d'acier structurel. On obtient un démembrement total de la structure d'acier qui est donc prête pour le transport. Les structures adjacentes sont peu endommagées. Des bruits et des flashs d'explosion entendus et vus par les témoins. Les énormes nuages de béton pulvérisés. Ce qui semble être des squibs, des éjections rapides et isolées de poussière et des preuves chimiques de charges coupantes. Tout cela est typique et représente des preuves directes et indirectes d'une destruction par explosif. La chose intéressante est qu'aucune de ces particularités d'une démolition contrôlée ne peut être expliquée par des incendies, et encore moins toutes les 10. Nous avons de la documentation gouvernementale, la confirmation des experts, des preuves de préconnaissance et des documents vidéo. Tout cela soutient l'hypothèse d'une démolition contrôlée, fournissant des preuves au-delà de tout doute raisonnable. Voyons maintenant la tour 7 du World Trade Center. Elle avait 47 étages, ce qui en aurait fait le plus haut bâtiment dans 33 de nos États. Elle n'a pas été frappée par un avion. C'était la troisième tour du World Trade Center à s'effondrer le 11 septembre vers 17h20. Ici, nous avons les incendies au 12e et 13e étage et un feu au 7e étage sur le côté nord du bâtiment, le côté opposé du bâtiment qui a été touché par la tour nord. Voyons les preuves concernant le World Trade Center 7 et s'il y a des similitudes avec une démolition contrôlée typique. En commençant par, y a-t-il un déclenchement soudain de destruction? Écoutons ce secouriste. On regardait le bâtiment car il était en feu. Les étages du bas brûlaient et, vous savez, on a entendu ce bruit qui ressemblait à un coup de tonnerre. On s'est retourné et on était choqué de voir que le bâtiment était... En fait, ça ressemblait à une onde de choc qui parcourait le bâtiment et toutes les fenêtres ont explosé. C'était effroyable. Puis, vous savez, une seconde après, le rez-de-chaussée a cédé, entraînant tout le bâtiment. On a vu le bâtiment s'écrouler jusqu'au sol. Le bruit d'un coup de tonnerre, une onde de choc parcourant le bâtiment, des fenêtres qui explosent et finalement le bâtiment qui s'effondre. Avons-nous un effondrement symétrique tout droit dans les fondations du bâtiment? Écoutons la description de Dan Rather alors qu'on voit pour la première fois l'effondrement du bâtiment 7. Et ce que vous voyez, c'est vu en hauteur. Maintenant, nous allons vous montrer une vidéo de l'effondrement même. Maintenant, nous allons voir l'effondrement de ce bâtiment. C'est surprenant, incroyable, choisissez. Pour la troisième fois aujourd'hui, ça évoque ces images qu'on a trop vues à la télé, quand un bâtiment a été délibérément détruit par de la dynamite bien placée pour le faire descendre. Comparons-le côte à côte avec une démolition contrôlée connue ici à droite. Le bâtiment est-il tombé dans ses propres fondations? Plutôt oui. Avons-nous des vagues de démolition? Comment cela a supprimé les colonnes de soutien?
Voici le plan d'étage du bâtiment 7. Or, pour amener en souplesse et symétriquement un bâtiment dans ses propres fondations, sans tomber à côté, il faut enlever les colonnes centrales, car ce que l'on veut, c'est amener l'extérieur du bâtiment sur lui-même. Cela implique un haut degré de précision qu'un incendie ne peut atteindre. Avons-nous un effondrement avec une accélération de chute libre par le chemin de la plus grande résistance? Vous pouvez voir seconde par seconde le bâtiment prendre de l'élan en tombant. Vous pouvez tracer la distance de chute sur un graphique de temps, et cela correspond presque parfaitement à la courbe de la chute libre. Qu'est-ce que cela signifie? Que les colonnes ont dû être supprimées, essentiellement en même temps, à chaque étage, dans un temps synchronisé, afin que le bâtiment ne rencontre quasiment aucune résistance dans sa course vers le bas. Avons-nous un démantèlement de la structure d'acier? On avait un gratte-ciel de 47 étages compressé à 4 étages. Y a-t-il des bruits d'explosion? Qu'en dit Kevin McPadden? C'était pas boum et vous sentiez un grondement dans le sol, à tel point que vous vouliez vous agripper à quelque chose. Ça, pour moi, je savais que c'était une explosion. Je n'ai eu aucun doute. Avons-nous d'énormes nuages de fumée pyroclastique provenant du béton pulvérisé? Regardez le béton projeté en l'air et retombant dans toutes les rues, dans toutes les directions, à 56 km à l'heure. Y a-t-il des flaques de métal en fusion? Commençons par la tour sud maintenant. Cette section s'applique aux tours jumelles du World Trade Center et au bâtiment 7. Le NIST nous dit que cette substance doit être de l'aluminium fondu provenant de l'avion. Mais de l'aluminium fondu ressemble à de l'aluminium fondu. C'est argenté. Ça ne luit pas à la lumière du jour. Que disent les secouristes et les entrepreneurs de démolition à propos de métal fondu? On a vu des flaques d'acier littéralement fondues, du métal, des poutrelles totalement fondues. Ça ruisselait du métal fondu. L'acier coulait par flot en fusion. Ils ont trouvé de l'acier fondu. Et cet ingénieur des ponts et chaussées, Abolhassan Astaneazi de Berkeley, observe et rapporte « J'ai vu des poutres fondues dans le World Trade Center ». L'un des objets les plus inhabituels sortis des décombres est cette chose ressemblant à un rocher qu'on a surnommé la météorite. C'est un morceau de métal fusionné, du métal fondu et du béton et tout le reste. Tout a fusionné sous la chaleur. Les architectes, ingénieurs, les gens qui travaillent l'acier, les soudeurs n'ont jamais vu un tel niveau de destruction et un tel niveau de déformation dans leur vie. Quel est le problème au juste? Eager dit que les incendies de bureaux atteignent les 650 degrés Celsius. Le NIST parle de 980 degrés, sans pour autant fournir la moindre preuve que les incendies dans les bureaux aient atteint une telle température. L'acier structurel ne commence même pas à fondre avant 1480 degrés ou presque. Il manque entre 500 et 1000 degrés Celsius, l'énergie de la chaleur nécessaire pour produire ce résultat. D'où vient-elle? Nous allons étudier un suspect, la termite, qui atteint une température de 2480 degrés Celsius. Écoutons John Gross, l'ingénieur en chef du NIST, qui nous donne son point de vue sur le métal en fusion. Revenons d'abord sur votre proposition disant qu'il y avait une flaque d'acier en fusion. Je ne connais absolument personne, aucun témoin qui en ait parlé, personne qui n'ait produit cela. Vous étiez en dessous et vous voyez de l'acier fondu, s'écoulant des rainures, comme si vous étiez dans une fonderie, comme la lave d'un volcan. Aucun témoin qui en ait parlé, les poutrelles avaient vraiment fondu là où était l'acier en fusion. Aucun témoin qui en ait parlé, le sous-sol était toujours si chaud que le métal fondu goûtait sur les parois. Aucun témoin qui en ait parlé, le morceau de métal qui s'étalait était du métal fondu. Aucun témoin qui en ait parlé, j'ai carrément vu des flaques d'acier. Personne ne les a produits, c'est un élément d'acier fondu, de l'acier fondu. Personne ne les a produits, personne ne les a produits, personne ne les a produits,
Les photos de la NASA, les images thermiques montrent ces températures. Quel est le problème ici? Quelqu'un est en train de mentir. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Qu'en est-il des preuves chimiques? Qu'est-ce qui a produit tout ce métal fondu et qu'est-ce qu'est la thermite? La thermite. La thermite est un produit incendiaire utilisé par les militaires. La thermite est un composé d'oxyde de fer et d'aluminium qui, une fois enflammé, produit une réaction de chaleur extrême, créant de l'acier fondu. En seulement 2 secondes, la thermite peut atteindre plus de 2480 degrés Celsius, suffisant pour liquéfier l'acier. Le Dr. Stephen Jones a fait des analyses chimiques sur le métal en fusion. On lui a envoyé un échantillon de ce morceau de 23 kg de métal qui avait fondu, provenant de l'une de ces météorites. Il y trouve principalement du fer. On peut donc exclure l'aluminium provenant des avions. Il contient de petites quantités d'aluminium, de soufre et de potassium, et du manganèse et de la fluorine en abondance. La manganèse provient du potassium permanganate, habituellement utilisé comme oxydant dans la thermite. La fluorine est aussi utilisée dans la thermite de type Sungel. Cela semble donc être la marque de la thermite. Les explosifs gel sont de la superthermite, de toutes petites particules d'aluminium dans de l'oxyde de fer dans le Sungel. Ils peuvent être moulés comme de l'argile. Les laboratoires Lawrence Livermore ont fait des recherches sur cela. Si le Sungel avait été employé, il aurait laissé une signature vraiment unique, un 3-diphénylpropane. En effet, le EPA a trouvé une molécule dans ses études toxicologiques à un niveau qui éclipsait toutes les autres, 1,3-diphénylpropane. Eric Schwartz dit, « Nous ne l'avons observé dans aucun autre échantillon qu'on ait analysé. » Mais y a-t-il des preuves de thermite dans la poussière du World Trade Center? Le Dr. Jones a reçu pas moins de 4 échantillons distincts provenant de cette poussière, dont 2 provenant de l'appartement de Janet McKinley, juste en face, où les vitres ont été implosées, son appartement rempli de poussière. Un autre échantillon a été prélevé environ 10 minutes plus tard sur le pont de Brooklyn. Il le prend, pose un aimant par-dessus et voit que de petites particules sont attirées par l'aimant. Certaines sont anguleuses, d'autres rondes. Elles ressemblent à ceci. En fait, il calcule, selon le poids total de ces sphères qu'il a trouvées dans la poussière, qu'il devait y en avoir environ 10 tonnes, étant donné la quantité totale de poussière constatée. Les plus grosses font environ 1,6 mm de diamètre, mais la plupart sont plus fines qu'un cheveu. Qu'est-ce qui a pu produire cet incroyable ensemble de microsphères? Eh bien, si vous aviez des milliers de charges coupantes dans les colonnes et les poutrelles dans tout le bâtiment, et s'ils étaient sous cette incroyable pression, vous auriez vu quelque chose comme ça. Des dizaines de milliers ou millions de minuscules gouttelettes. Quelle est la forme de ces gouttelettes? Quand un liquide est dispersé comme ceci, sa surface se forme en une sphère presque parfaite. Dans le cas de l'acier fondu, ces gouttelettes se refroidissent et tombent partout avec la poussière. Le Dr. Jones conclut donc que selon le mélange de traces de métaux présents en haute concentration dans la poussière, tels que le zinc, le cuivre, le manganèse et la formation de sphères de fer aluminium, il est clair que des réactions aluminothermiques se sont produites. Il peut reconstruire ceci à l'envers et suggère qu'il a dû y avoir, dans la composition de cette thermite, de la poudre d'aluminium, de l'oxyde de fer, de l'oxyde de cuivre, du nitrate de zinc et du permanganate de potassium. Bien. Est-ce possible qu'il y ait des morceaux de thermite qui ne soient pas enflammés dans la poussière du World Trade Center? En effet, il en a trouvé et s'est aussi attiré par l'aimant, de nombreux fragments dans ses échantillons. Celui-ci mesure 1,6 mm de long, rouge d'un côté et gris de l'autre. La face rouge est composée de toutes petites particules d'oxyde de fer et d'aluminium. Les laboratoires Lawrence Livermore ont publié un rapport à ce propos il y a seulement 1 an ou 2. Les particules sont si petites qu'elles permettent que les 2 produits chimiques s'enflamment quasiment instantanément, l'aluminium et l'oxyde de fer produisant des résultats très explosifs.
Il continue son étude et trouve d'autres fragments partiellement enflammés dans lesquels sont incrustées des sphères, indiquant que la source de ces sphères est clairement identifiée. Le Dr Jones et sa petite équipe de scientifiques, grâce aux procédés EDS, XRF et WDS, identifient les composants de ces sphères et fragments, principalement du fer avec de l'aluminium, de l'oxygène, du silicone, 1,3-diphénylpropane. Les résultats joints aux preuves visuelles, dit-il, sur le site comme l'écoulement du métal brûlant fournit des preuves convaincantes que les composants de la réaction de la thermite ont été délibérément placés dans les deux tours du World Trade Center et dans le bâtiment 7. Ces résultats sont documentés dans une revue de pairs. Maintenant, tout ceci est la preuve directe d'une destruction par explosif du bâtiment 7. Revenons au bâtiment 7. Aucune de ces caractéristiques ne peut être expliquée par l'incendie, et encore moins toutes les caractéristiques. Écoutons les conclusions de la FEMA, car c'est intéressant. La preuve d'une attaque de corrosion à haute température sur l'acier, comprenant une oxydation rapide, une sulfidation et finalement une fonte intergranulaire. Très intéressant. Souvenez-vous, les incendies de bureaux ne font pas fondre l'acier. Qu'est-ce qui a fait fondre l'acier? Du soufre a été produit lors de cette attaque de corrosion brûlante sur l'acier. Voici la fonte intergranulaire certifiée pour nous tous. Merci. Capable de transformer une poutrelle d'acier solide en gruyère, comme ce qui était ici une poutrelle à large aile du bâtiment 7. Ils documentent ceci très prudemment dans leur annexe C. Les particularités des incendies dans le World Trade Center 7 et comment ils ont provoqué l'effondrement du bâtiment restent inconnus à ce jour. Comment? Inconnus? La meilleure hypothèse, incendie, dégâts aléatoires et effondrement complet, ont une faible probabilité. Qu'en disent les experts, comme Danny Jovenko, expert en démolition contrôlée depuis 27 ans? Ça commence en bas. Ils ont simplement fait exploser les colonnes. C'est une démolition contrôlée. Une équipe d'experts l'a réalisée. Un travail de professionnel sans aucun doute. Le bâtiment 7. Avons-nous des avertissements sur sa destruction? Écoutez ces ouvriers s'éloignant du bâtiment 7 et cet officier de police filmé par CNN. Vous l'avez entendu? Ne quittez pas le bâtiment des yeux. Il va tomber. Le bâtiment est sur le point d'exploser. Reculez. On recule, le bâtiment va exploser. Des flammes et des débris qui tombent. Et Kevin McPadden, qu'a-t-il dit? Les dernières secondes, il a enlevé sa main et on a entendu 3, 2, 1. Un compte à rebours? Cela implique un avertissement? Est-ce que les incendies font tomber un bâtiment suite à un compte à rebours? Peu probable. En fait, la BBC annonce l'effondrement 20 minutes avant qu'il ne se produise. C'est vrai. Voici Jane Stanley en train de l'annoncer. Elle dit, « Le bâtiment de 40 étages des frères Solomon près du World Trade Center s'est également effondré, alors qu'il est encore debout derrière elle. » La BBC s'excuse pour cette grave erreur, invoquant la confusion des événements du jour. Mais est-ce que cela fait d'eux des voyants? C'est peu probable. Je pense qu'on a démontré que le bâtiment 7 correspond à toutes les caractéristiques d'une démolition contrôlée dans le sens classique du terme. Est-il plausible qu'Al-Qaïda avait pu avoir accès à ce bâtiment, qui avait été sans doute l'un des plus sécurisés hormis le Pentagone? Si ce n'était pas eux, qui alors? La preuve est même plus évidente dans le cas des tours jumelles. Voyons d'abord le déclenchement soudain. Quelle est la preuve et comment ça s'est passé? Produit par ces bruits et ces flashs d'explosion. 118 pompiers ont témoigné des bruits et des flashs des explosions. Quelque part vers le milieu du World Trade Center, il y a eu ce flash orange et rouge qui a jailli. Un seul flash au début, puis ce flash a éclaté tout autour du bâtiment et le bâtiment a commencé à exploser.
Comme à la télé, quand ils font exploser les bâtiments, c'est comme si c'était une ceinture tout autour, toutes des explosions. Pop, 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 c'est quand j'ai entendu le bâtiment tomber. J'ai vu de nombreuses brèves lumières émises de l'intérieur du bâtiment, entre les étages 10 et 15. J'ai vu des faibles flashs. On a vraiment entendu les éclatements. Vous savez, on entendait les éclatements du bâtiment. Ça éclatait des quatre côtés. Et ces gars, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Étage après étage, ça s'est mis à éclater. C'est comme s'ils avaient détonné, prévu de faire tomber le bâtiment. Boum, 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 tout au long. Et les journalistes, qu'ont-ils dit? Souvent, ils disent la vérité le premier jour, puis on n'entend plus cette vérité-là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quiconque a déjà vu un bâtiment en train d'être démoli sait qu'il faut commencer par l'infrastructure en dessous du bâtiment pour le faire tomber. Tout le bâtiment vient de s'effondrer, comme si une équipe de démolition l'avait déclenché, comme quand on voit les vieilles démolitions de ces vieux bâtiments. Il s'est plié sur lui-même, il n'est plus là. J'ai entendu une seconde explosion et un autre grondement. Une énorme explosion nous arrosant tous de débris. On ferait mieux de s'éloigner. Et tout ce temps, il y a eu cette grosse explosion. Il y a une autre grosse, grosse explosion. Une heure plus tard, il y avait une grosse... Savez-vous que si c'était une explosion ou un effondrement de bâtiment? Pour moi, ça semblait être une explosion, mais c'était une explosion énorme. Le chef Albert Turry a dit qu'il y a eu une autre explosion. Et une heure après, il y a eu une autre explosion dans l'une des tours. Donc selon sa théorie, il pense qu'il y a eu en réalité des engins explosifs implantés dans le bâtiment. Ça a juste fait ba-boum, comme si une bombe avait explosé. Et une autre explosion. Alors tout le monde volait. On aurait dit des coups de feu, vous savez, bang, bang, bang. Puis tout à coup, trois grosses explosions. J'étais environ 5 blocs plus loin quand j'ai entendu des explosions, 3 bruits sourds. Il y a une violente explosion. Encore une fois, aucune de ces explosions ne figure dans l'histoire officielle. Maintenant, comparez ces explosions avec une explosion connue, à gauche ici. Vers le haut, vers l'extérieur, en forme de bande, des volumes de poussière pyroclastique répartis symétriquement comme un champignon. Ça vous semble être un effondrement gravitationnel? Voyons la tour nord maintenant. Je veux attirer votre attention sur les explosions que vous allez voir, en haut de l'immeuble, curieusement. Et ce qui va se passer dans toute cette section va se télescoper comme la moitié, sa moitié supérieure est détruite avant qu'il n'y ait le moindre mouvement vers le bas au niveau de la zone de l'impact de l'avion. Regardons. Voici la première preuve d'explosion. Et puis ici. Et puis l'effondrement. Bien sûr, les nuages violents qui surgissent avant l'effondrement même. Regardons cela de plus près, après cette deuxième vue. Une nouvelle source de combustible, qui pourrait bien être du kérosène qui n'avait pas brûlé, reprenant de l'oxygène. Regardons de plus près. On voit tout de suite des nuages se former ici. Attendez, l'effondrement est censé être juste là en bas. Il y a des dégâts asymétriques dans ce bâtiment, n'est-ce pas? L'avion est entré d'un côté et pourtant c'est un effondrement symétrique. On emploie des guillemets désormais. Continuons. Encore une fois. Des ceintures, exactement comme les pompiers les ont vues, tout autour du bâtiment. L'antenne tombe la première, avant toute autre chose, indiquant d'abord des dégâts sur la colonne centrale. Maintenant, regardons la même tour à partir du bas. Notez la violence sous le champignon de nuages. L'effondrement est censé se produire en haut, ici. Mais en dessous, comme vous le voyez, pendant ce deuxième passage, des quantités incroyables de squib, des explosions en cours. Pour la troisième fois, j'aimerais attirer votre attention sur cette succession d'explosions, en bas à droite et à l'angle du bâtiment. À environ 40 étages sous le bâtiment s'effondrant. Cela devient terriblement évident, n'est-ce pas?
Avons-nous une progression verticale, symétrique de l'effondrement hors de ses fondations? On avait un bâtiment de 63 mètres de large, nous dit la FEMA. Dans ce document, on voit que les débris couvrent une surface de 356 mètres, répartis à distance égale autour de chaque tour. Des dégâts asymétriques et une distribution symétrique sur tout le site, en fait, et au-delà. Avons-nous des squibs ou ces explosions décalées? Certains pensent que ce sont des explosions programmées, ainsi exprès. Peu importe. Dans toutes les vidéos de l'effondrement, on voit des explosions éclater du bâtiment des étages 20 à 30 étages sous la vague de démolition. Ici. 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 Here. Ici. And here. Ici. Le NIST nous dit que ce sont des bouffées d'air produites par l'effondrement du bâtiment, expulsant l'air comme un piston. Ça doit bien sortir de quelque part, n'est-ce pas? D'abord, ce ne sont pas des bouffées d'air, il s'agit des matériaux du bâtiment pulvérisés. Ils se produisent pour certains à 50 à 60 mètres par seconde. Ces vitesses sont propulsées par les explosifs, 20, 40 et 60 étages plus bas. Comment le piston peut produire tout cela? Ces éjections minutieusement placées, géométriquement précises et violentes. Avons-nous une accélération quasiment en chute libre par le chemin de la plus grande résistance? Les tours jumelles sont tombées à presque 2/3 d'une accélération en chute libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les colonnes ont dû être supprimées simultanément, à chaque étage, synchroniquement, de façon à ce que le bâtiment ne rencontre aucune résistance en tombant. Où est ce bâtiment de 15 étages qui a conduit ce bâtiment à terre avec une accélération en chute libre? En 2 secondes, on l'a vu réduit à la moitié de sa masse. Il a été soufflé à l'extérieur. Il n'a pas pu servir à influencer la progression du bâtiment vers le bas. Les 2 secondes suivantes, après 4 secondes au total, il se détruit par lui-même. Rien n'écrase le bâtiment. Il se détruit avec une accélération de la chute libre et la structure d'acier se démantèle. En fait, les rebords de ces nuages en forme de champignons sont remplis par les colonnes périphériques, le bardage en aluminium et autres aciers. Voyons la tour sud en termes de démantèlement. Regardez ce qui se passe ici. La tour sud est à votre gauche. L'avion l'a frappé plus bas. Et comme vous le voyez, cette destruction rapide commence là. Et il commence à s'incliner vers la gauche. Ce bâtiment, qui penche déjà de 22 degrés et continue son élan hors du centre du bâtiment en dessous, comment peut-il l'écraser symétriquement avec une accélération de la chute libre quand il est déjà excentré? Regardons ce qui se passe en dessous. Nous avons des dégâts asymétriques. Et pourtant, une destruction symétrique se passe au-dessus du nuage, tout autour du bâtiment, comme l'ont vu les pompiers, même si cette masse supérieure est en train de basculer. Avons-nous des éjections latérales de structures d'acier? Les dégâts ne sont pas confinés. Des vitres sont soufflées dans les bâtiments voisins. Quelle sorte d'énergie permet ceci? Ici, un tronçon d'acier a été propulsé à 120 mètres, s'ancrant profondément dans le World Financial Center 3, dans la rue Vesey. Qu'en est-il des étages de ces crêpes? Où est l'effondrement en pile de crêpes? On cherche des crêpes plus bas. Ceci est un hall d'entrée de cet étage. Là-dedans, les débris sont hauts d'environ 2 ou 3 étages. Nous allons regarder tout cela.
Ce que je cherche, c'est 110 étages avec ce genre de parement en métal avec 10 à 13 cm d'épaisseur de béton en dessous, d'un demi-hectare chacun, 55 hectares de ceci. Combien d'étages avons-nous en bas? Pas 50, pas 10, même pas 1. On ne trouve même pas de parement en métal ou de béton en bas. On trouve à peine des morceaux macroscopiques de béton. Qu'est-il arrivé au parement en métal? Qu'est-il arrivé au béton? Qu'est-il arrivé au béton? Le béton a été pulvérisé. J'étais sur place mardi, c'était comme sur une autre planète. Dans tout le bas de Manhattan, pas juste sur le site, de fleuve à fleuve, il y avait de la poussière 6 à 8 cm d'épaisseur. Le béton a été simplement pulvérisé. Tout ceci est la preuve directe de destruction explosive, et rien de tout cela ne peut être dû aux incendies. Avons-nous la corroboration des experts? William Rice, ingénieur des ponts et chaussées pour les architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 11 septembre. La théorie dominante veut nous faire croire que chacune des tours, de façon inexplicable, s'est effondrée sur elle-même, écrasant les 287 colonnes massives à chaque étage, alors qu'elle maintenait une accélération de la chute libre, comme si les 100 000 tonnes ou plus de structures d'acier porteuses en dessous n'existaient même pas. Que dit David Scott, ingénieur des ponts et chaussées pour AE911 Truth? Un effondrement proche de la vitesse de la chute libre viole les lois de la physique. Ceci suggère tous les aspects d'une démolition contrôlée classique, avec ses exceptions, qui sont atypiques d'une démolition contrôlée. Aucun de ces aspects ne peut être expliqué par des incendies, et encore moins toutes les 10. Ce sont des preuves au-delà du doute raisonnable. Nous avons montré ici aujourd'hui que des explosifs ont été utilisés pour détruire chacune des 3 tours du World Trade Center le 11 septembre. Et l'on sait qu'il faut des mois pour planifier, concevoir et placer ces explosifs. Pensons-nous qu'Al-Qaïda a eu accès à ces bâtiments hautement sécurisés? Merci infiniment pour votre attention aujourd'hui. Thank you so very much.